Je vous annonce également que notre président est là, je sais, Oudalem Diallo, est à plus de 10 000 km d'ici. Il est au Chili pour participer au congrès de l'international libéral. Et je vous informe que tout ce qu'on reprochait à l'UFDG au niveau du ministère des Affaires du territoire pour les documents à déposer, c'était des remarques qui n'étaient pas du tout fondées. Mais nous avons pris soin de reprendre les dossiers que nous avons déjà déposés et justifiés. Nous avons donc repris les mêmes documents que nous allons encore resoumettre pour marquer le maximum de bonne foi vis-à-vis du ministère de l'administration du territoire. Il s'agissait principalement des relevés bancaires. On nous reproche de n'avoir pas déposé les relevés bancaires. C'est pourquoi l'UFDG est en observation pour 3 mois. Je vous ai dit que la banque de l'UFDG est à côté de nous ici. Le numéro est communiqué au ministère. Mais j'ai été hier, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, j'ai tiré l'ensemble des relevés. La banque a signé, attesté. Du 1er janvier 2022 au 1er janvier au 31 2022, j'ai fait aussi la copie. Du 1er janvier 2023 au 29 novembre 2024, j'ai également tiré. La banque a tout signé, paraphé, cacheté. Nous avons préparé aussi le bilan 2021. Vous savez bien, en 2021, ici, les gens avaient occupé les locaux et même le matelas du pauvre gardien Abdoulaye a été volé par ceux qui occupaient ici. Nous avons quand même fait le bilan de 2021. On a fait un autre bilan pour 2022, un autre bilan pour 2023. Et ces bilans ont été soumis aux experts comptables qui ont visé certifié conforme. La loi sur les partis politiques ne nous fait pas obligation de faire des bilans certifiés contrôlés. On n'est pas une entreprise. Mais comme on nous cherche, nous n'allons pas prêter le flanc. Mais si on nous pousse jusqu'au mur, on sera obligé de faire quoi? De faire face, non? Voilà, donc nous allons déposer tous les documents en bonne et due forme. Les inventaires, ce micro, cette salle, la table, peut-être même les bouteilles d'eau. Nous avons fait tous les inventaires qu'on a signés, qu'on va également déposer. L'UFDG est un grand parti. Selou Dalin est un grand président. Nous continuerons à nous battre loyalement, légalement. Quelqu'un l'a dit ici que le président Alpha Condé a lutté 40 ans, n'est-ce pas? Mais il a fait plus de 10 ans de pouvoir aussi. L'âge que le président Dalin a aujourd'hui, le président Alpha Condé avait dépassé l'âge là quand il prenait le pouvoir. Nous avons encore, si Dieu le veut bien, tout le temps devant nous. Nous allons continuer à nous battre loyalement, légalement, sans heurter la loi. Ceux qui heurtent la loi, ils rencontreront la justice devant eux. Nous, nous sommes des militants pacifistes.
Mais nous n'accepterons pas ce qui n'est pas admis par la loi, par la logique et même par la loyauté. Je vous remercie. Je remercie la presse. Et que Dieu vous garde.